une artiste qui sait tout faire, on dirait. Dites donc. Une artiste qui sait tout faire. Elle sait danser, je crois, hein. Elle chante en chœur et elle chante en solo. Enfin, elle a chanté pour tout le monde, quasiment tout le monde. Aujourd'hui, elle a décidé de chanter pour elle. Rien à voir avec un certain Stallone. En revanche, une chose est sûre, c'est bien Sly, Sly to Sly, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans Enzo Live. Applaudissements. Slide to slide, babe. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire que ça veut rien dire. Bonjour Slice, bonjour Slide to Slide. Je dis Slide ou Slide to Slide? Slide to Slide. Slide to Slide. Alors Slide to Slide, pourquoi? Parce que tu es deux fois plus Slide. Oui, parce qu'aujourd'hui il y a déjà des Slides. Et par contre, moi je m'appelais Slide depuis mon jeune âge. Donc, alors du coup, à quel âge c'est important de savoir à quel âge on l'a appelé Slide? Depuis l'âge de 10 ans, je veux dire. 10 ans, donc depuis, oui. 10 ans, t'appelles Sly, et oui. Maintenant que tu vois que tout le monde s'appelle Sly, ça t'énerve. Ça m'énerve, donc j'ai envie de m'affirmer, tout simplement. Donc tu t'es dit, moi je suis Sly to Sly, c'est voilà. Deux fois plus Sly. Deux fois. Ah oui, Sly to Sly, c'est avec deux. Hein, entre les... Et alors, explique-moi ton parcours. Il me semble choriste d'abord avec un groupe qui s'appelle Les Woody. Les Woody. C'est un groupe pop rock de la Côte d'Ivoire. Que tout le monde connaît bien sûr, avec Chris Alors de Bagnon, normalement, Paix à son âme. Ah oui, hein, que tout le monde connaît bien sûr. Ah oui. C'est ça, oui. Et donc, si, mais tout le monde connaît, même vous connaissez Woody. Moi, je merci beaucoup. Moi, je connaissais Woody Woodpecker, mais alors, voilà. Rien à voir. Hein, non, Woody, rien à voir. C'est un grand groupe de chez nous, de la, oui, Côte d'Ivoire. Un groupe pop-rock ivoirien. Voilà. Et après, j'ai joué avec les RAS. D'accord. Qui est un groupe, à l'époque, c'était un nom zigeï qu'on disait, mais c'était un groupe de rap. Mais du coup, il n'y avait rien à signaler, en fait. Voilà. C'est ça. C'était ça, le nom. Bien. Et je pense que Loïcha les connaît aussi, les RAS. Mais voilà. Heureusement que tu as dit oui, Loïcha. mais non, mais je plaisante. Ça va. Alors, donc les RAS, et puis... Et puis, j'ai collaboré avec la Jet Set et je suis resté pas mal de temps avec Agiceli. Alors, attends, on va s'arrêter deux secondes. Lorsque tu parles de Jet Set, de quoi parles-tu? Ah. Oui, parce que là, ça paraît évident pour toi, mais pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est pas évident. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a un phénomène, oui, qui a pris le monde, je vais dire le monde, qui est le coupé décalé. Ah. Donc quand on parle de jet set aujourd'hui, on fait plus référence à la jet set entre guillemets, les bling bling. C'est ça. On fait référence au coupé décalé dont Lino Versace. D'accord. Voilà. Alors, explique-moi justement cette petite parenthèse avec Versace. Ah, cette parenthèse avec Versace, c'est que j'ai collaboré avec Lino Versace et Boro Sangui sur leur premier album. Sur leur premier album, et tu étais? J'étais en featuring. D'accord. Très bien. Voilà. Et alors, parle-moi de cette aventure. Oh, ça a été une belle aventure. En ce moment, j'étais l'une des pionnières, on va dire, du coupé décalé à l'époque. D'accord. Parce que j'étais celle qui était en studio avec tous les gars, parce que c'était un groupe de personnes. Y a des filles qui t'enviraient. Hein? Ah, mais bien sûr. J'ai eu le privilège d'être la marraine de feu d'Uxaga. Ah ouais. Voilà. Mais moi, je ne savais pas ça. Mais voilà, je te le dis maintenant. Mais ça, c'est bon, ça. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Mm-hmm. Moi, je connaissais Ben E. King. Non, il y a eu Bana King. D'accord. Bana King. Oui. Non, là, sur ce coup-là, je suis avec désolé. Youssoupha. Ah, mais voilà. Ah, bah voilà, il faut dire ça, Youssoupha, bien sûr. Ah, mais, ah oui, mais oui, bah oui. Mais voilà. Pardon, excusez-moi, il faut que je révise mes classiques Sly to Sly. Alors là, toi, aujourd'hui, tu fais quoi? Dis-moi. Aujourd'hui, je fais de l'afro. De l'afro. Voilà. De l'afro pur. Et alors, tu parles de ton bad boy. Oui, je parle de mon bad boy. Mon bad boy, c'est celui que j'apprécie et que je déteste en même temps. Ah, bah c'est ça. Voilà, parce qu'il y a deux sortes de bad boy aujourd'hui. Il y a les vrais bad boys, ceux qui aiment frimer, mais qui sont galants. D'accord. Et il y a les bad boys durs et simples. Oula, là je suis perdu. Alors je vous propose de vous asseoir, de continuer à siroter ce que vous êtes en train de boire en ce moment, ou si c'est juste que vous êtes en train de regarder en faisant vos devoirs. Écoutez, est-ce que j'ai pas compris? Alors on va se poser deux secondes. Mm-hmm. Il y a les bad boys. Oui. Il y a les bad boys. Bad boys mais galants, c'est ça? Oui, il y a deux catégories. Il faut que tu développes là, excuse-moi. Oui, il y a pas de souci. Je suis prête à le faire. Il y a ceux, les bad boys, juste pour frimer.
Il est bad boy, Dior. Ouais, voilà, ouais, je me la joue. Ça, machin, mais en fait, c'est pas un vrai bad boy. C'est pas un vrai bad boy. Parce qu'il est hyper sympa, en fait. Voilà. D'accord, est, ok. Il est galant, c'est le mec qui ouvre la portière, la femme descend, c'est le mec qui s'occupe de ses gosses. D'accord. C'est le mec à la maison qui est mec. Ok. Voilà. Et l'autre bad boy? Et il y a le bad boy pur et dur. Donc, apparemment, ça fait réagir les bad boys. Et donc, il y a le bad boy pur et dur qui lui. Ça veut dire, lui, c'est le bad boy dans l'âme. Ça veut dire, lui, il s'occupe pas, il s'en fout de tout ce qu'il y a. Lui, c'est un enfoiré. C'est un enfoiré, mais c'est ça. Bad. Ah, d'accord. Voilà. Moi, les enfants, fermez les oreilles. Donc, lui, il est pas gentil, lui. Non, ça, c'est un vrai bad boy. Et alors, tu aimes le vrai bad boy, la version 2 ou la version 1? Non, j'aime la version 1. D'accord, ok, très bien. Voilà, qui est bad boy, qui frime, mais en même temps, qui est galant. D'accord. On aime tout okay. ça, n'est-ce pas? Ouais, parce que le ceci dit, il y en a qui aiment les vrais bad boys. Hein. Ouais, ça dépend, faut être maso. Mais moi, non. C'est ça. Bien. Ok. En tout cas, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des messages qui se distillent. Oui, c'est important. C'est important de le dire. Bien. Alors, très bien. Donc, les bad boys. Donc, du coup, tu as décidé de faire un titre sur les bad boys. Oui. En fait, le titre, il était parti à la base pour lancer un message qui était d'arrêter plus ou moins quand on est en groupe, de critiquer un peu les gens. Quand les gens ont envie d'avancer, il faut les aider à avancer. Au lieu de les récaler avec des critiques vraiment méchantes, des blablabla par-ci et par-là, je pense que c'est pas important. On a besoin de s'amuser, de se retrouver et de faire la fête. Positive attitude. Voilà. On reste positif et on avance ensemble. Voilà. Sly to Sly. Donc, tu viens de sortir ce single. Il est sorti ou pas encore? Non, pas encore. D'accord. Il sort quand? Il sort normalement. Je vais demander à mon impresario. Il me le dira. Impresario, dis donc. Ah ben voilà. Ça fait des années que j'ai pas entendu ce mot, Sly to Sly. Je te sors tout là en même temps. Ah ouais, non mais là tu me les fais toutes là. Donc Sly to Sly, c'est vrai que ça existe encore après. Mais on dit plus trop comme ça. Si moi je le dis encore, j'ai le droit. Carrément. Mais voilà. Mais c'est ça, c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Alors ton impresario, hein, monsieur l'impresario, dites-moi. Mais voilà. Pour bientôt. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que monsieur l'impresario a dit, c'est que en fait réellement c'est bien pour bientôt et je sais que dans la musique c'est hyper difficile de donner des dates tant oui, qu'on en pas, même temps voilà. On l'avait prévu normalement pour la mi-décembre. D'accord. Donc on croise les doigts pour que vraiment ça se réalise. Allez, en cadeau de Noël, voici voilà parce qu'on a travaillé avec pas mal de grands artistes, on a pris les musiciens de Magic System. Ah oui. Ben voilà, vous les avez séquestrés là. Ben voilà. Et on a travaillé avec Denise aussi qui a fait à Wiyo. Et on a travaillé avec pas mal de musiciens. Ça, c'est le titre que vous venez de parler, c'est Amio, c'était toutes les voyelles. Amio, pardon, ah, avec Denise. Allez, je me suis dit, c'est un titre avec toutes les voyelles. Coupé décalé. Amio, Y. Ah, d'accord. Amio. Amio avec Denise, voilà. Ok, d'accord. Donc, qui a fait les chœurs. D'accord, ok. Mais voilà. Ok, très bien. Bon, c'est bon ça. Alors, vivement l'album. Ben voilà, le single d'abord. Non, oui, vivement l'album. Alors, vivement, oui. Allez, on va écouter Sly to Sly. Applaudissements pour Sly to Sly, s'il vous plaît. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, I yellow. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, I yellow. Yeah, yeah, yeah. Chantez, chantez. Yeah, yeah, I yellow. Yeah, yeah, yeah. Dansez, dansez. Yeah, yeah. Piribala, piribala, piribaba. Je n'ai pas envie de te voir manger. Je n'ai pas envie de te voir me parler. Bad boy, tu n'es pas bien. Tu es mauvais, tu critiques. Tu n'es pas bien. Trop de calomnie, trop de jalousie. Arrêtons les coups fourrés. Et on va danser. Aya que lo ye, aya que lo ble, aya que lo ye, aya que lo ble. Yeah,
yeah, yeah. Chanter, danser. Yeah, yeah, I know. Yeah, yeah, yeah. Les femmes des clans se rassemblent pour pouvoir me critiquer. Il paraît que j'étais là. Il paraît que je disais ça. Il paraît que je faisais ça. Et puis si, et puis ça. Et puis sort, et puis rentre, et puis viens. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Hey, 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 oh, hey, 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 hey. Tu viens m'accompagner, le chat? Yeah, yeah. Allez, les visser, danser, bouger, bouger, swinguer. Allez, tu viens danser. Yeah, 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 yeah. Swing de ton, c'est bouger. Bouger quand c'est bouger. On va tourner, tourner. Slide to slide, yes. Oui, Sly to Sly, merci beaucoup. C'était mon bad boy. Yes, merci Sly to Sly. C'est bon ça. Mais où est-ce que tu vas, Sly to Sly? Je ne l'ai pas encore pris congé de toi. Mais voilà. Ça fait plaisir, j'avais pas envie de te quitter moi aussi. Bien, alors Sly to Sly, bientôt. Alors c'est pour Noël, hein, c'est ça? Normalement. On espère, pour Noël, ça sort. Et puis, évidemment, à ne pas rater sur Clip Music. Ça va me faire plaisir. On va se revoir bientôt. Merci beaucoup, Sly to Sly. Applaudissements, s'il vous plaît. Yes.